coup de projecteur sur l'Union sportive électrique d'Avoine-Beaumont à l'occasion des championnats départementaux de gymnastique. Ils étaient près d'une centaine de gymnastes venant des quatre coins du département à s'affronter ce samedi. Signe de la bonne santé de la gymnastique en Indre-et-Loire. Fer de lance du club d'Avoine-Beaumont, Yuna Dufournet, médaillée au championnat du monde en 2009, officie en tant que juge. Une expérience enrichissante pour la championne tourangelle. Oui, c'est intéressant, ça change, c'est un autre point de vue de la compétition, il n'y a pas de stress, c'est bien aussi de voir les deux côtés, ça change, ça fait du bien aussi. On comprend mieux les gymnastes, on ressent ce qu'elles vivent à ce moment-là, c'est important. Organisatrice de ces championnats, l'USEAB fait aujourd'hui partie des valeurs sûres de la gymnastique française, une fierté pour le président. Aujourd'hui, le club de gymnastique d'Avoine est reconnu parmi les grands clubs français parce qu'il y a effectivement Yuna Dufournet, mais il y a un autre vivier derrière, il y a d'autres enfants derrière qui suivront. Nous en avons un peu plus d'une dizaine aujourd'hui qui sont dans la filière haut niveau. L'objectif, entre autres, c'est effectivement de concilier le loisir, la compétition et de permettre à des filles, eh bien d'exploser, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau national, voire plus, dans les années à venir. La relève est donc assurée en Indre-et-Loire et de leur côté, les futurs champions sortent satisfaits de leur journée de compétition. C'était bien, j'ai bien matché et puis je trouve que j'ai bien une belle compétition, donc voilà. Parce que mes parents, ils ont été forts, ils ont été jusqu'au championnat, et donc j'ai envie de faire pareil. Parce que l'année dernière, j'étais arrivée deuxième, mais cette année, je savais que j'allais faire mieux. Pourquoi ? Parce que je faisais des mouvements mieux que l'année dernière. Je travaille 8 heures par semaine, et cette année, je travaille 10 heures par semaine, ou 12 heures. Rendez-vous dans un mois pour les régionaux qui se tiendront à La Riche. Un avantage non négligeable pour les gymnastes tourangeaux.